La problématique que j'ai traitée pour Doctrine est l'impôt sur la fortune immobilière dans un contexte international. L'impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt qui a été mis en place en 2018. Donc on a des articles du Code général des impôts qui sont bien écrits dans un contexte national. Et dans un contexte international, le législateur ne s'est pas du tout intéressé au fait de savoir quelles conséquences on pouvait avoir pour quelqu'un qui aurait des biens à l'étranger ou un non-résident qui aurait des biens en France. Par exemple, je suis non-résident fiscal de France, j'ai un bien immobilier en France. Est-ce que ce bien immobilier, il est détenu de manière directe? Est-ce qu'il est détenu de manière indirecte? Par rapport à la documentation existante, on est déjà parti d'une remarque générale qui est le fait qu'aujourd'hui, il n'existe pas à ce jour de fascicule qui puisse permettre à un public assez large de pouvoir appréhender l'impôt sur la fortune immobilière dans un contexte international sans avoir besoin de se référer à d'autres fascicules. Donc notre fascicule, il est indépendant et ça, c'est une de ses grandes forces. La deuxième chose, c'est qu'il est très pratique. On a essayé de donner des exemples et de faire remarquer au lecteur à chaque fois qu'il y avait besoin les ambiguïtés qui pouvaient exister.